Bon, je suis sorti à l'extérieur, je vais faire une vidéo à l'extérieur, donc pour vous montrer que j'écris bien sûr, donc voilà, pour pas que je reste chez moi tout le temps et qu'on pique mes idées, donc voilà, parce que comme je fais pas que danser, donc voilà, je ne fais point que danser, donc je danse, je fais de l'écriture comme j'ai dit, je fais de la peinture, donc aujourd'hui j'ai amené mon livre, donc voilà, pour écrire un petit peu. Enfin, pour écrire, j'écris un texte vite fait sur la délicatesse. Donc, qu'est-ce que la délicatesse? Donc, déjà, comme je m'habille, c'est déjà même pas de la délicatesse. Donc, voilà. Mais on va dire, c'est de la finesse. Donc, voilà, au niveau du costume. Entre guillemets, du costume, parce que le style fait partie de la délicatesse. Donc, voilà. Alors, j'ai pris juste des notes au niveau du dictionnaire. Parce que je vais pas emporter tous mes appareils. Donc, voilà. De toute façon, si quelqu'un vient me parler, donc, bien sûr, je vais parler de ça avec la personne, mais. Tant que j'ai pas vu une personne venir me parler, donc voilà, une personne qui passe derrière moi, je sais pas qui c'est, donc voilà. Donc si on parle, si on vient pas me parler, il n'y a pas la notion de d'approche vers une personne ou de d'ouverture d'esprit. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, je ne sais pas s'il a été envoyé exprès ou pas, le jeune. J'ai rien contre le jeune, donc voilà, je ne sais pas s'il a été envoyé par quelqu'un ou s'il est passé comme ça de manière. Indépendante, donc voilà, je ne sais pas. Donc, c'est ça la manière, on va dire, la délicatesse, donc la finesse. Donc, comme on ne vient pas me parler, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc. Moi je vais pas venir toujours vers les gens, hein, donc c'est pas à moi de venir vers les gens, hein, donc voilà. Heureusement que je fais des vidéos quand même pour que j'ai pu savoir quelque chose si on me prête une salle quand ça sera au mois de septembre, donc je verrai bien. Donc là il y a les beaux jours, donc j'en profite. Alors au niveau de la délicatesse, donc il y a cette subtilité, tact, donc. Adresse, élégance, donc voilà, élégance, bon, ça ne fait point partie de moi, donc voilà, ça c'est sûr que. Mais on peut avoir une certaine élégance au niveau de l'expression artistique, au niveau de la danse, donc voilà, c'est ça, c'est sur ça qui m'intéresse, donc voilà, ou la peinture, donc voilà. On peut avoir des beaux traits de visage et ne point avoir de délicatesse, donc ça dépend, donc. Comme quoi la notion de délicatesse, elle est complexe, donc. Oui, parce que dès qu'on parle de délicatesse, on peut voir tout de suite la notion de ce qui est agréable. Donc voilà. Mais ce qui est agréable au niveau du portrait de Dorian Gray, donc voilà, comme j'avais parlé du livre de Dorian Gray, donc il avait une belle apparence et une âme salie. Donc voilà. Donc avec toutes les turpitudes qu'il a fait, donc voilà, aux personnes. Donc voilà. Donc c'est une note que je prends, donc voilà, là-dessus. Alors faiblesse, débilité, ça c'est autre chose, donc voilà, parce qu'il y a plusieurs termes. Donc au niveau du dictionnaire, adresse, légèreté, comme j'ai fait une vidéo sur légèreté, donc voilà, ça peut renvoyer à ça. Donc voilà, ça peut être une finesse, donc voilà, on va dire un ricochet pour faire comprendre ce que c'est que la finesse, donc voilà, la finesse d'esprit. Ou la délicatesse, donc voilà. Alors qualité de ce qui est délicat, agréable au sens, donc voilà. Donc agréable au sens, d'accord, mais tout va dépendre de ce sur quoi repose la délicatesse, donc voilà. Si la personne a un intérêt ou salit telle ou telle personne, ben, il n'y a plus de délicatesse, ça tombe à l'eau, donc voilà. Alors délicatesse au niveau du Robert, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai pas tout noté parce que c'est très long. Donc voilà. Ça change comme ça. Je fais une vidéo en plein air, comme ça, dans le parc. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors agrément, douceur, qualité de ce qui est délicat. Donc complexité, adresse. Donc voilà. Élégance, discrétion, tact. Donc finesse. Donc, la discrétion, ça dépend aussi. Donc voilà. La discrétion peut vouloir dire une entente ou un mépris, donc voilà.
Donc on peut faire passer beaucoup de choses par la discrétion. Donc voilà, c'est ça la notion de délicatesse. Alors, finesse, aptitude à discerner. Donc voilà, c'est une aptitude à discerner. Donc, les moindres nuances, les plus délicates, rapport entre les sentiments. Donc voilà. C'est tout. C'est ce que j'ai noté. Là, je fais de la lecture. Hein, donc, alors, je vais lire. J'ai amené mon livre de David Hume, vite fait, pour lire un ou deux passages qui m'intéressent. Donc, qui m'intéressaient. Donc, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Au niveau de la délicatesse du goût. Hop, je remontre le livre. Hop. Alors, ce qu'il nous dit, c'est intéressant ce qu'il nous dit alors. Une conversation élégante est censée lui procurer le divertissement le plus élevé. Donc ça n'a rien à voir avec le divertissement, ce que je fais. Donc, je n'ai rien contre le divertissement, mais ça c'est l'éducatif ce que je fais, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Alors, une conversation élégante est censée lui procurer le divertissement le plus élevé. La grossièreté et le manque de pertinence sont pour lui une grande punition. Donc voilà. Alors bref, la délicatesse de goût a le même effet que la délicatesse de passion. Donc voilà. Délicatesse de passion, ça veut dire sélectionner telle ou telle chose pour pas heurter son âme. Donc voilà, ou son esprit. Donc voilà, comme chacun interprétera de sa manière. Donc voilà. Après, le fait de regarder les yeux dans le regard.